Salut YouTube, on part pour Heavy Rain, un jeu conseillé et choisi par ma copine que je ne connais pas. Je sais pas encore si je joue à la manette ou pas d'ailleurs. On verra. On va voir. On va essayer la manette et on verra ce que ça donne. Ça se met même pas, de toute façon la manette. Il me faudrait un câble pour la manette. Qui est actuellement branché sur ma PS4. Alors. Du coup, oui, YouTube, je vous mets la belle image de Heavy Rain, voilà. Il est beau. Alors, c'est pas un jeu tout récent. Hein. Merci bien, ma chérie. Alors. Bonjour, Lisa. Oui, t'arrives complètement au début, je connais même pas le jeu. Donc ça va être la découverte totale. Mais sinon, bienvenue. Bienvenue à toi. Est-ce que tu viens voir parce que tu as déjà fini le jeu et tu veux voir quel choix différent je vais faire? Bon, tant pis. On verra plus tard pour la manette. C'est pas grave. Alors, nouvelle histoire. C'est parti. Non, je connais pas trop. Ok, bah écoute, c'est parti. Alors la partie qui est lancée, c'est une partie que j'ai lancée vite fait pour voir les paramètres. On ne connaît pas l'histoire. Pour l'instant, ça n'a pas l'air ouf. Samedi 11h22. On dort en boxeur sans couette. On a un joli petit cul. Hop, mon PC m'a dit pause. C'est pour la manette, c'est ça? Voilà, la manette elle a dit bonjour. Et bah Lisa, tant que t'es là, est-ce que le son est bon ou pas? Dis-moi. D'accord. Ok. Essayez d'effectuer l'action lentement afin de mieux appréhender la vitesse d'animation. Est-ce que c'est une bagueule ça? On va se marrer. Non. Ok. Ah, il est moins beau de près. D'accord. Alors, ah, on peut refermer. Ah oui, d'accord. Je pensais qu'il allait sauter par-dessus. Je me suis dit, ah ouais, l'action commence maintenant. Ok. La manette, ça va être très chiant si ça passe à chaque fois. Vous savez quoi? On va étendre cette putain de manette, on va jouer au clavier souris. Et sinon, ça va être chiant. Éteins-toi, manette, s'il te plaît. Ça va m'insupporter. Oh, et c'est pris un moustique. La manette ne veut pas s'éteindre. Bon bah tant pis, on va. Bah, bon tant pis, on verra. Oh, on peut rentrer là-dedans? Ok. On va essayer de rentrer là-dedans. On peut pas? D'accord. Dehors à poil, quoi? Oh bah j'ai compris, j'ai une très belle terrasse. Attends, peut-être que j'ai juste à retourner dans ma maison, non? Déjà, on a des gosses. Attendez, ça se trouve, on a juste à retourner une porte. Ah, voilà. Ah, s'habiller, ça peut être bien. Ah, attendez. Faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Ça, d'accord, ça fonctionne comme ça. Oui. Attends, on va voir si je fais pas. Bon, je fais comme ça. Ok. Habille-toi. Ah.
Non. Douche. Je vais aller prendre une douche et m'habiller avant de descendre. Ok, donc on part pour une douche. Oh, il y a un petit mot par terre. Je suis partie faire des courses. Je passe prendre les enfants à l'école à midi et je rentre préparer l'anniversaire de Jason. Ne travaille pas trop. Je t'aime. Bah écoute, vu l'heure à laquelle il s'est levé, il va pas beaucoup travailler. Alors. Où est ma douche? Mais bon, la maison est stylée, hein. Oh! Salut! Mais attends, je regarde le piaf, je peux lire dans mes pensées ou pas? Lire dans mes pensées, ça veut rien dire. Écoutez mes pensées. Ouais, non, je peux pas. Non, là, c'est les chambres des gosses. On a une photo. Oh, des babas là! Oh, on a des talons de jongleur. Alors, pour les actions de rythme et de précision, appuie sur la touche indiquée dès qu'elle apparaît. Ok. Comment qu'on est trop fort? Et voilà! Allez, on repose. Ok. On nous explique comment fonctionnent les QTE du coup. Bon. Un peu triste quand même la chambre des enfants. Il y a juste un tipi. La douche gauche ou droite? Allez, gauche. Nié. On va se regarder d'abord. Toujours se regarder avant tout. Hein. Important. Il est beau. Je prends. Yes. Dans. Ah, il faut maintenir. À droite et gauche, ok. Ah. Ouais, enfin, si ça, c'est pas un jeu de l'avenir. Ok. On l'a pas vu cracher. On a même pas entendu le crachat. Alors, la douche, la douche, la douche. C'est les trucs à droite, c'est ça? C'est quoi ça? Ah! Ah merde! Ah, faut que j'aille lentement pour ça? Ok, donc dès qu'il y a des pointillés, c'est lentement. Je suis en train de me couper! Faire des points de vie. Ok. Oh là là. Eh, c'est vraiment. J'ai baissé ma sensi parce que. Ah, c'est mieux comme ça, voilà. Il en a oublié un peu sur la gauche quand même, hein. Ah, puis même la moustache. Oh, mais c'est pas se raser. Oh, c'est stressant. J'ai un gros trou dans la barbe. Ah, mais je pourrais pas y aller là. On a la tête pour voir les actions possibles. Attends, mais. On a la tête. Comme ça? Attends, comment on tourne sa tête? On a la tête? Voilà. Oh, attention! C'est confond, mesdames! Oh! Je l'avais dit qu'on avait un joli petit cul! Ah, profitez, c'est bientôt terminé. Hein. Je le nettoie et c'est fini. Oh là, comment ils nous font bien comprendre le tuto qui est embarqué dans l'histoire, c'est beau. Oh, dommage qu'il a qu'un. Hein. Et non, on n'en verra pas plus. Et c'est dommage parce qu'on peut voir dans cet angle-là qu'il a un petit paquet. Hein. Alors, appuyez sur pour changer d'angle de vue. Caméra 1, caméra 2! Ok, là c'est les toilettes. Il y a peut-être encore une chance, mesdames! Ah non, ah bah non, il pisse debout, c'est un beauf. Voilà. Et pas une goutte à côté, hein. Alors maintenant la question, si le jeu est bien fait, est-ce qu'on peut aller se laver les mains? Ou pas? Là, hop. Ah, on peut pas se laver les mains, c'est dégueu. Ok, on s'en fout, la maman et les gosses sont pas là, on fait ce qu'on veut, on est le roi de la maison. Je devrais m'habiller avant de descendre.
Ah bah c'est vrai qu'il fallait s'habiller. Putain. En plus il bosse en télétravail. Alors hop. Allez, habille-toi. Est-ce qu'il va être... Merde. Vers le haut, sur le côté. Allez, montre-moi ton style. Un dernier zoom sur le petit cul. On comprend mieux pourquoi ma copine m'a conseillé ce jeu. Ok. Ah, il a une petite bague. Normal. Ouais. Le jeu date de 2010. C'est vrai. Bon, le style, c'est pas ça. Mais bon, on verra bien dans quoi il bosse. Oula! Il y a eu l'anniversaire du gosse il y a pas longtemps. Jardin, travail. Jardin en direct. Il fait un temps magnifique dehors. Je pourrais en profiter pour aller un peu traîner dans le jardin. D'accord. Heureusement que j'ai mis les sous-titres parce que si ça veut comme ça de temps en temps, va pas de table. Mais ouais, j'irais bien traîner dans le jardin en vrai. Mais attends quoi? Faut que j'aille en haut? Ah d'accord, là je regarde. Ouah, quel beau jeu. Ça, c'est pas un jardin, c'est un rond-point. Alors. Allons dans le jardin. C'est quand même de la belle baraque, hein. On n'est pas dans la famille la plus pauvre. Ah oui, d'accord, c'est ça, faire un tour dans le jardin. Ah putain. Mais. Oui. Ma copine vient de me dire non, mais c'est pas là le jardin. Alors, je veux ouvrir mon frigo. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Jus d'orange. Qu'on secoue pour avoir bien de la pulpe. Et hop là. Faut vraiment tout faire. Hein. Oh. Ah, il embrasse sa bouteille. Hein. Hop, un petit café. Après le jus d'orange. Moi, c'est jus d'orange ou café, mais pas les deux. Doudou. Ah, et puis en plus, il le boit direct, s'il se crame un peu, mais bon. Moi, je pourrais pas non plus. Alors. Donc, le jardin. Oh, mais la baraque. Ah, c'est quoi ça? Ah, ils laissent vraiment leur jouer partout, ces gamins. Oh, comment ils gèrent le bolide? Fermé par terre, normal. Ok. Alors, jardin. Maintenant, je peux y aller, je suis habillé, je suis habillé. Non, mais où? Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Pas dans le jardin. Oh, il y a des épées! Moi, je suis un garçon. J'aime bien les épées. On rappelle que sa femme, juste avant, elle lui dit travaille pas trop. Hein. On est sur un gars qui sait ce qu'il veut, quoi. Je peux grimper ou pas? Non. Le tour dans le jardin, c'est que ça ou on peut voir des trucs différents? C'est un grand jardin. Agréable. Et un grand jardin, et le seul animal qu'il a, c'est un vieux piaf. On peut monter ou pas? Bon bah écoute. Ah là il y a un truc. Une libellule. Deux vers le haut ça. Ouah! C'est le pire père du monde. Ah! On a vu l'endroit où il travaille. On va y aller tout de suite. Essayons d'avancer un peu quand même. En tout cas, mais. Et qu'est-ce qui se passe? Non, un obstacle! C'est bon.
Alors. Donc on sait maintenant le nom, c'était l'anniversaire de Jason. Oh. Architecture. Ah, c'est mon taf, non? Comme ça? Architecte. J'espère que c'est pas moi qui ai écrit le livre, parce que si c'est moi, je lis mes propres livres. Ok. Oh! Ah mince, une voiture qui arrive, j'ai pas le temps de bosser. C'est dommage. Ah oui, il la regarde. Ah, je viens travailler. Alors, c'est le grand jour. C'est aujourd'hui que je vais être grand. 10 ans, c'est pas encore tout à fait grand, mais tu t'en rapproches. Je vais pouvoir conduire ta voiture ? Non. Avoir encore un peu de patience. Ethan, tu peux m'aider s'il te plaît ? Oh putain, il s'appelle Ethan. J'arrive. La galère. Bon bref. Ah parce que je dois prendre tous les sacs ? Non mais oh. Ah oui d'accord, donc là c'est pas, ça s'appelle pas aider, ça s'appelle ça s'appelle faire à la place. J'espère qu'il y a d'autres trucs à prendre dans la voiture. Hein. Ah non. Ils sont tout excités depuis ce matin. J'arrivais plus à les calmer au supermarché. Bah moi j'ai. Toi ça va bien ? T'as réussi à travailler un peu ? Ouais nickel. Ouais j'ai travaillé. Oh pas vraiment, j'ai essayé. J'ai essayé. Hein. Je n'arrivais à rien. J'ai intérêt à faire mieux parce que on présente le projet au client le mois prochain. Je travaille trop. Oui c'est vrai. Il y a un milliard de choses à préparer. Jamais prêt avant que les copains de Jason arrivent. Tu peux me donner un coup de main ? C'est-à-dire comme tout à l'heure. Alors, ok. Pas de problème. Pas vraiment un jeu à choix. Alors le buffet du salon. Le buffet. Ici ? Il y a vraiment deux pauvres portes. Ah ! Ça coince souvent. Ouvre d'un coup sec. Ah, donc la sortie. Yeah ! Ça c'était du coup sec. Ah, elles sont moches les assiettes. C'est le service que nous a offert ma mère. Ah bah je me disais bien. Un incident diplomatique avec ta mère. Alors, ah merde. Hé, hey, Ethan, t'avais dit que tu ferais attention. Mais elle est pas cassée, putain. Doucement. Non mais ouais. Ah bah je peux vous assurer que ce serait pas ma femme. Hop. Ah voilà. On y va tranquille, hein. Tranquillement. Voilà. Oh ok, c'est bon. Ok, que ça prend la mer. Hein. Allez. Ok. On ne stresse pas. Une dernière assiette. On est bon. Bah voilà. Ils sont que 4 ? Mm-hmm. Allez. Oh! J'ai piqué un rêve, hein. Oh! J'en pique un deuxième! Et voilà, c'est comme ça qu'on l'aide. Attendez, on va voir si je peux pas prendre autre chose avec côté. Non, on peut pas. Je peux rien prendre d'autre. Ethan. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit aujourd'hui, Madame Mars. Mais c'est pas la voix d'Iron Man? Et je vous trouve très séduisante. Vous n'êtes pas mal non plus, Monsieur Mars. Monsieur Mars. Il lui mange que la lèvre du haut, vous avez vu? Je sais à quoi tu penses, Ethan. Mais je pense à quoi? Mais c'est vraiment pas le moment. Je pensais à prendre un autre raisin. Il faut vraiment que je m'occupe de la fête. Eh bah go alors. On aura cette petite discussion ce soir. Oula, il a plein d'idées dans la tête, le petit Ethan. Cadeau Jason, ami Ed. Pfff, oh, cadeau. T'as réussi à trouver le cadeau pour Jason? Ouais, je suis passé le prendre au magasin tôt ce matin. On a eu de la chance, c'était le dernier modèle en rayon. Ok. Ed, Jason, bah Jason. Jason a l'air content. Ouais. J'ai du mal à croire qu'il ait déjà 10 ans. J'ai l'impression que c'était hier qu'on flirtait tous les deux au lycée. Ah, ça y est, on devient vieux, Ethan. Bah, on est vieux depuis longtemps. À quelle heure ils arrivent ? Jason arrive quand ? On a l'impression qu'il lui gueule dans les oreilles. Vers 2h. J'espère arriver à garder la situation sous contrôle. Il est quelle heure ? Comme l'année dernière. Midi à peu près. Ed. Oh. Tu peux
peux faire quelque chose pour t'aider ? Non, merci. Yes ! Je devrais m'en sortir. Je vais jouer avec les copains. Je vais jouer avec les garçons. Il joue à l'épée. Oh, avec un peu de chance, il joue à l'épée. Attends, c'est quoi ça ? Non, mais je veux pas regarder par la fenêtre, moi je joue avec eux. Si je joue à l'épée, je joue avec eux. J'ai fermé la fenêtre. Ah, oh, je peux jouer. Ça y est, je suis libre comme l'air. Bon, 5 minutes les garçons, ok ? Après, il faut qu'on... Oh. Ok, promis maman. Ah bah joie. Qui veut commencer ? Moi d'abord. Attends quoi, qu'est-ce qu'on commence ? Calme, on va faire chacun son tour. Oh, on fait du catch. Je sais pas. Ok. Oh, les deux gueules, ils sont tous les deux insupportables. Allez, je commence par lui, il l'a dit en deuxième. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, chaud, tu es prêt ? C'est parti ! Oh là 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 là, il y a des murs ! Oh là, qu'est-ce qu'on s'amuse quand on est daron ! Et PAM ! Dans le côté de la... Ah merde ! Ça marche pas. Ah là là, mais qu'est-ce qu'on s'amuse ! Bon, c'est vraiment par contre le gros cliché de la famille heureuse, hein, genre... Allez, on le redescend, c'est bon. Et toi, on le fera pas. Ah si, on n'a pas le choix. Allez, viens, Jason. On va faire l'hélicoptère. Ah, l'hélicoptère, yes. Allez, on tourne. Je suis sûr, quand je serai d'avant, je lâcherai un moment. Ouais, et la paf, je lâche. Ah! Attention, accrochez-vous! Qu'est-ce qu'il veut? Ah, papa, il est costaud! Ah, c'est pas maman qui ferait ça, hein! Mais qui est le plus fort? Oh, c'est papa! Oh, enfin, le papa est vieux quand même, hein! Les gosses qui applaudissent le daron! Oh, ouais! Alors là, tu vas trouver un adversaire à ta tête! Cette fois, je crois que je vais faire des prières. Oh oui. Vas-y, bolo, step. Je vais t'embrocher. Non, il va m'avoir. Je vais trop lentement. Oh, la musique d'action, elle est trop stylée. Oh oui. Ok. Alors, c'était que merde, non ! Captain Papa est foutu ! T'es moi le plus fort ! La mère derrière qui regarde avec dépit. Elle a dit les enfants, hein. Et lui aussi rentre, hein, donc. Ça veut dire ce que ça veut dire. La fenêtre est fermée là, on est d'accord. Il y a un reflet. Non, elle est ouverte. Sean, le déjeuner est prêt. Je vais le chercher. Oula. Ça pue. Il est où ? C'est devenu un zombie ? C'est quoi l'histoire de Heavy Rain ? Il se passe quoi en fait ? Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a le truc en papier, c'est le seul truc que je connais du jeu. Oui, dans sa chambre, j'imagine. Ah non, hop, le demi-tour était là, on l'a vu. Ah. Chérie, t'as un truc à gérer. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Merlin. Merlin. Donner n'importe quoi pour qu'il vive encore un peu. Tu sais, Sean, certaines choses doivent arriver. Même si on ne veut pas. C'est pas juste, papa. C'est pas juste. Je sais.
Oh, par contre, la musique, comment elle se coupe d'un coup là. Je voudrais jeter un coup d'œil aux chaussures pour Sean. Vous nous attendez une minute avec Jason ? Promis, on n'en aura pas pour longtemps. Bien sûr, pas de problème. Emma, ne bouge pas d'ici. Hein, Jason ? Viens, mon cœur. Allez, on casse ! Le gosse s'en va. Le gosse, c'est vrai. Et lui il a trop maté le cul de sa meuf. Et voilà. Jason. Ah il est là, on le voit, on le voit. Ah Jason. 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 Oh. Mais il est insupportable. Oh Jason. Mais il va... Et ça va pas être lui. On pourrait convaincre que ça va pas être lui, mais... Oh il écoute rien. Jason. Jason, tu ne devrais pas t'éloigner, tu sais. Mais je vois le clown. Dis papa, je pourrais en avoir un. J'en voudrais tellement un. Un clown. Papa, allez. D'accord, on va acheter un ballon. Super. Hé hey, mon grand, comment tu t'appelles? Jason. Quel ballon te ferait plaisir, Jason? Le rouge. Le voilà. Ça fait 2 dollars, monsieur. Jason, attends-moi. Attends papa à la fin. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ah mais oh. Monsieur, vous me devez 2 dollars. Merde. Donne-lui 2, donne-lui vite, vite. Oh putain, mais... La poche arrière. Et putain, tu l'as mis dans quelle poche? Et voilà. C'est impossible d'essayer une paire de chaussures avec tout ce monde. Oui, Jason. Il était là il y a une seconde. Et ben voilà. Le temps que je me retourne, il avait disparu. Disparu ? Comment ça, disparu ? On se calme, il a un ballon. Je vais le chercher et je reviens. Jason ! Bon, ils nous mettent un petit instant de panique, mais bon, ça va, on va le trouver. Jason! Jason! Mec, calme-toi. On va le trouver, c'est celle qui a un ballon rouge. Ah bah le voilà. Barrez-vous là. Il est où le bâtard? Ah mais barrez-vous. Attends, mais il est où là? Bah... Ah là-bas. Ah oh, mais barrez-vous. Forcément, on ne voit pas. Ah le voilà.
Mais il va où ce con? Mais il se barre! Oh, il va se faire écraser. Oh non. Mais il a pas disparu, il était sur la route. Il va quand même pour traverser quoi. Mec. N'oublie pas Sean, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Bah ça c'est du prologue. Comment le jeu est devenu beaucoup plus gris d'un coup. Ouais, si c'est de séparer de sa femme au moins. Elle doit lui en vouloir. C'est quoi ce truc où ils montent toutes les têtes des passants là? Un fumeur. Belle roue. Donc ça date de 2010. C'est quand même bien fait pour l'époque. Oh le petit phoque. Ok, 2 ans plus tard. Oula. Ça, c'est notre perso ou c'est le... Oui, c'est notre perso. Ah ouais, ça a changé, hein. Mais... Quel daron entend son fils comme ça. Bon après il fait pas beau hein. Ok. On contrôle tout. Petite ceinture important. Est-ce qu'il a mis sa ceinture? On peut pas vérifier. Il aime bien nous montrer un JPEG qui glisse.
Ah non, ça va. Et on est reparti. Ok. Gay. Ah, peu de lampe. Bah c'était sympa quand même. C'était bien. Allô. Je vais ou pas. Le chargement là, il y a juste un problème, on est d'accord. C'est quoi ce bordel? Attendez. On va relancer tout ça. Et bisous Yuteva. À la prochaine, on gère le problème et on revient. Vous avez vu le prologue, c'était cool.